Docteur Colombo, c'est le moment de parler d'Avignon. Il semble qu'une fondation universitaire se soit créée. Cette institution n'est pas en accord avec les principes de l'Empire. Je vous demande de comprendre comment elle fonctionne. C'est pas contre vous, Monsieur Vador. Mais... j'ai juste une petite question. Il y a quelque chose qui me chiffonne. En quoi cette fondation pose problème? Une institution basée sur des valeurs de solidarité nuit au côté obscur de la Force. En échange de votre collaboration, nous vous offrons gracieusement le contenu de cette mallette. J'accepte. La fondation de l'Université d'Avignon a été créée en 2009. Elle permet de soutenir les activités générales de l'enseignement, de développer une recherche d'excellence, d'accompagner l'insertion des diplômés et enfin de renforcer l'attractivité du campus. Vous êtes étudiants tous les trois à l'Université d'Avignon, n'est-ce pas? Que signifie pour vous la fondation? C'est vrai qu'au début, on n'a rien compris. Mais on a pu voir les actions menées et c'est pas croyable. Par exemple, ils nous ont complètement refait la porte d'entrée du grand bâtiment. Ils ont aussi financé une bourse de solidarité pour un étudiant étranger. Et ce n'est que le début de leur action. On peut imaginer d'autres projets innovants pour la diversité, la jeunesse et les nouveaux talents. Monsieur Dumbledore? Oui, c'est bien moi. Est-ce vrai que vous avez étudié ici, à l'Université d'Avignon? Oui, c'est exact. C'était aux alentours du 14e siècle. J'en ai gardé un très bon souvenir, vous savez. Bien, et après? Après mes études, j'ai souhaité continuer à œuvrer pour mon université. En devenant donateur? Pour la fondation? Oui, pour moi, la fondation est un moyen de servir l'intérêt général de manière simple et désintéressée. En donnant, je défends les valeurs de l'université comme l'accessibilité, la solidarité ainsi que la laïcité. Inspecteur, où en êtes-vous de votre enquête? Écoutez, c'est pas contre vous, Monsieur Vador, mais je crois bien que ma collaboration avec les forces du mal va s'arrêter ici. Colombo, je suis... très déçu. Vraiment navré, mais je dois m'entretenir avec l'un des fondateurs de la Fondation. D'ailleurs, j'ai une petite idée de quoi faire de votre mallette. Honoré je suis de t'accueillir. Padawan Colombo. Si donateur tu deviens au développement d'une société plus solidaire, tu participes. Et en plus, d'une déduction fiscale, tu bénéficieras. Incroyable. Quand je vais dire ça à ma femme... Que la force du don soit avec toi. Je dirai